garde. Tu te le fais au contour, tu prends son arme. Allez. Да, не думаю, что десяток бойцов на такое способен. Я что слышал, то слышал. Берегись! Враг сзади! Ишек, мерда! Остан, дефеш па! Дефеш па! Excellent. Des armes. J'ai plus beaucoup de munitions. Moi non plus. Quelle merde. Слушал разведсводки. Они говорят, что весь этот шухер. Ennemi en vue! Feu à volonté! Jusqu'au cockpit? Ouais, aucun problème. J'ai le plan en tête. Parfait. Quelqu'un a son brevet de pilote? Bah, tant pis. On trouvera bien une solution. En avant. Allez, on a assez joué à C'est bon, on bouge. Ils sont derrière cette porte. On ouvre et tu passes devant, Marlowe. Attends le fumigène et dégomme-les. N'arrêtez pas, y'a rien pour se planter ici. Où est ce fumier de Kirilenko? On est à environ 130 km de la frontière texane. Merde! Sergent, on n'a plus le temps! Messieurs, le composé que vous m'avez remis nous protégera de la déflagration. Je vous en suis très reconnaissant. Bon spectacle. Dis-moi, Sweetwater, il y a bien un moyen d'entrer dans cette salle, pas vrai? Bah oui! Mais...
Oh, et puis merde. De toute façon, la retraite, c'est chiant. Vous arrivez trop tard. Le point de largage est en vue. C'est ce qu'on va voir. Vas-y. Quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Reculez, les gars. Et... place au spectacle. When the moon goes down in the valley of time, talking about time. When the sun, yes, the sun. C'est des Texans, guys, youhou, baby! Ouais, ouais, ok, j'aurais bien fini par venir faire un tour. Oh merde, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Sergent, vous dites rien! Demande plutôt ça à Marlowe. Grâce à lui, je suis officiellement retraité. Ouais, beau boulot, Marlowe. Hein? T'as autant de mérite que moi, Sweetwater. Je sais pas, c'était cool, mais ce genre de truc, c'est pas vraiment mon style, finalement. Il faut fêter ça, les mecs! Moi, je connais un endroit que vous allez adorer. Il y a cette nana, là, Chantal. Quand elle se penche... Compagnie B, garde à vous! Messieurs. Chef. Repos. Vous avez toute la gratitude du gouvernement des États-Unis. Bon, les gars, désolé d'avoir à vous dire ça, mais va falloir venir avec moi. Pourquoi, colonel ? Les Russes, ils nous ont envahis. Ah, Mais non, chef, on vient juste de pulvériser leur super arme secrète. PS, l'invasion est annulée. Ici, peut-être. Et ils attaquent par l'Alaska. L'Alaska ? C'est pénible d'avoir toujours raison à la fin.